Bonjour Laurent. Bonjour. Je suis ravi de te rencontrer sur ce chantier, qu'on puisse partager ce chantier. Ouais. Et je voudrais que tu nous présentes un peu les couvreurs occitans, l'entreprise et tout ce que vous proposez. Ok. Aujourd'hui, les couvreurs occitans, c'est une entreprise qui a une dizaine d'années, basée en région toulousaine et sur l'Ariège. Donc ici, on est sur l'Ariège avec Christophe, qui est notre licencié de marque sur ce département. Les couvreurs occitans, c'est aujourd'hui à peu près 45-50 collaborateurs répartis donc, sur différents sites autour de Toulouse. On est c'est-à-dire que dans notre métier, on est multispécialiste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait effectivement de la toiture chez les particuliers, chez des professionnels, de l'étanchéité, du désamiantage. Donc, on peut répondre d'une manière globale à toute la demande que peut avoir aujourd'hui un client sur sa problématique de toiture. Par rapport à ce chantier, du coup, comment ça se passe par rapport à l'isolation? Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Alors là, il s'agit d'une isolation par l'extérieur, puisque le client n'avait pas la possibilité d'isoler sa maison par l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de grenier, on a un espace où les plafonds sont rampants, ce qu'on peut aussi appeler des plafonds cathédrales, donc il n'était pas possible d'isoler par l'intérieur. On rencontre ça également parfois en ville, pour des soucis d'habitabilité, pour garder au maximum de volume habitable, on préfère isoler par l'extérieur. Donc c'est des travaux qui ont de la cohérence quand la toiture est un peu ancienne et qu'elle est à refaire. Donc on va isoler ce toit par l'extérieur avec un panneau qui va être dur, rigide, de manière à pouvoir après remettre une nouvelle toiture par-dessus. Donc on a un double avantage à ce système d'isolation. Tout d'abord, on n'a aucun pont thermique, c'est-à-dire que la... Comme tu vas pouvoir le voir en vidéo, on va avoir une couverture totale de la toiture. C'est vraiment le meilleur système d'isolation possible. Et ensuite, on remet dessus une toiture neuve qui va être là pour de nombreuses années. Globalement, c'est vraiment le système le plus pérenne, puisqu'aujourd'hui, on a des isolants qui ne sont pas altérables dans le temps et qui vont tenir des décennies et des décennies. Donc, je pense que ces gens-là sont tranquilles pour, je dirais, à peu près 70 ans. Ah oui, quand même. Oui, c'est énorme. Ouais, super. Et ça implique de relever la charpente, en fait, non? En fait, on va conserver la charpente à la même place, mais on va venir poser un nouveau panneau sur la charpente. Et évidemment, pour la fixation de la couverture, de la tuile, il va falloir ajouter par-dessus l'isolant un élément de charpente. Tu le découvriras pendant la phase de travaux, mais globalement on vient se poser sur la charpente et on vient effectivement remettre au niveau de l'ancien chevron un nouveau chevron par-dessus, et on va traverser l'isolant pour que tout le complexe effectivement soit bien solidifié avec la toiture et qu'il n'y ait pas de problème de tenue au vent. Les couvreurs occitans sont vraiment spécialistes de ce type de travaux d'isolation. Nous, ça fait une dizaine d'années qu'on fait ce type de travaux. Aujourd'hui, c'est des centaines et des centaines de maisons isolées comme ça, et également des centaines et des centaines de clients satisfaits. D'accord, super. Et vous avez des partenaires de prédilection, en fait, pour les matériaux, pour tout ça? On a évidemment des partenaires de prédilection. On sait aussi qu'on reste une entreprise artisanale et que dans l'artisanat, on a nos petites habitudes. Et, oui. Et aujourd'hui, on a posé énormément de produits dont nos clients sont satisfaits. Donc c'est vrai qu'on a toujours tendance à proposer des produits dont on connaît à l'avance le résultat, parce qu'on veut évidemment pas de mauvaises surprises. Néanmoins, on reste ouvert, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi le rôle d'une entreprise que d'être ouvert sur les nouveautés, sur tout ce que pourrait apporter le marché. On reste également à l'écoute du client, parce que le client peut aussi avoir fait des recherches par lui-même et avoir décidé de travailler avec certains types de matériaux. Donc on n'est jamais fermé, mais évidemment l'intérêt de travailler avec les couvreurs occitans, c'est quand même de bénéficier de notre expérience et de notre expertise en la matière. Je suis avec Christophe. Oui, salut, c'est moi, Christophe. Donc, je suis le chef d'agence du couvreur occitan Galizat-sur-Lèze. Et voilà, on s'est connu avec Cédric suite aux vidéos qu'il faisait. Et voilà, ça nous a bien plu. Donc, on a voulu faire appel à lui pour ce beau chantier. Pour moi, le couvreur occitan, c'est vraiment une entreprise de renom. Donc, pouvoir faire la vidéo avec eux, c'est quelque chose de génial. J'ai vu aussi que ton fils est en passe de rejoindre les couvreurs occitans. Oui. Alors mon fils voilà, qui s'appelle Mathis, qui a 15 ans et qui a intégré les Compagnons du Devoir cette année et qui travaille du coup en apprenti chez les couvreurs occitans à Toulouse. Donc voilà, c'est une très bonne école formatrice avec de très bons gars, et donc je suis pas inquiet pour son avenir. Et et voilà, donc je remercie aussi Laurent, bien sûr, parce que c'est grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui et que Mathis arrive à Gobu dans de bonnes conditions pour son avenir. C'est super ça, ouais. Hein, c'est vraiment, tu lui as transmis la passion. Voilà, ça s'est fait tout seul, mais à force de parler des chantiers, quand on était en voiture, j'ai fait un toit ici, j'ai fait un toit là, il a voulu s'intéresser.
Il a commencé à venir un petit peu avec moi de temps en temps, me donner un coup de main et il a voulu en faire pour l'instant son métier, on verra dans l'avenir. C'est super. Ouais, c'est cool, je suis fier de lui. Ah oui, je comprends. Hein. Ouais. Merci et de moi en même temps. Et oui, tu peux, tu peux. Voilà. Merci. Avec plaisir, merci à toi. Ouais. Pour voilà, ces bons échanges et ouais, j'espère qu'on sera amené à retravailler ensemble. Ouais, j'espère aussi, ouais, dans l'avenir. Aucun problème.